Salut les fermières, bienvenue sur Cowcot TV. Aujourd'hui, je vous présente le Samsung Odyssey G9. Donc, écran qui va être l'équivalent de deux écrans de 27 pouces en QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440, mais collés ensemble. Donc, pour une définition finale de 5120 par 1440 pixels. Et on va voir que Samsung a aussi mis le paquet sur le reste, puisqu'on va être sur une dalle qui va pouvoir monter à 240 Hz avec justement un AMD FreeSync Premium Pro qui va être validé par Nvidia en ce qui concerne la compatibilité G-Sync. On est aussi sur de la HDR 1000 avec un temps de réponse de 1 milliseconde, sur une dalle VA incurvée à 1000R, donc vraiment Samsung a mis le paquet sur cet écran et ça vous coûtera 1500 € quand même. Donc on va voir si à ce tarif-là, ça vaut vraiment le détour ou pas, mais je pense que ça vaut le détour. Alors, sur le devant, on va être sur une dalle donc incurvée à 1000R qui va être encadrée par un design dit borderless, donc sur trois côtés. En dessous, on va avoir une bande un peu plus large, mais pas forcément imposante, avec au milieu le logo Samsung. Et sur un des côtés, ici, on va voir un tout petit joystick de navigation dans l'OSD. Donc, l'écran va être réglable en pivot, mais aussi en inclinaison. Et bien sûr, en hauteur. En dessous, on voit la base qui va être faite de plastique noir avec une doublure en métal. Donc le tout tient extrêmement bien. Et en dessous, on a enfin la partie colonne qu'on verra tout de suite à l'arrière de l'écran. Alors, sur le derrière, on est sur un design qui est vraiment assumé, donc avec un design vraiment futuriste qui n'est pas sans rappeler, justement, moi ça me fait penser à ça, à Portal 2, justement, hein, au robot de Portal 2. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, sûrement le rond avec le RGB. Mais en tout cas, on est sur un look qui est vraiment, vraiment bien fini. On a le droit à un carénage qui va être blanc brillant. Donc, du coup, même les traces de doigts, on va moins les voir que sur du noir brillant, par exemple. On va voir le logo ici de justement Odyssey avec des mèches d'aération sur le dessus et toute la partie en RGB ici. On a une colonne en plastique blanc avec un support de casque donc qui va perdre peut-être un petit peu de son utilité du fait qu'il soit derrière l'écran et qu'il faille se pencher pour pouvoir récupérer le casque. Ensuite, on a une base en plastique avec une doublure en dessous qui va être en métal, donc le tout tient plutôt bien. On a aussi des cache-câbles. Alors, ils sont assez durs à enlever. Donc déjà, au départ, pour pouvoir passer le câble dans la colonne. Et aussi, comme je l'ai dit, ils sont assez durs à enlever, mais une fois en place, ça bouge pas du tout. Et ben voilà. Vraiment dur à enlever, donc ça tiendra, hein, ça c'est clair. Mais par contre, on a toujours un peu peur de le casser. Voilà, ça y est, on y arrive. Ou pas. Voilà. Donc du coup, en dessous, on va voir la connectique qui va être tournée vers le bas et on va pouvoir les cacher à l'intérieur. Alors, avec les petits déboires, justement, du G7 qu'on a eu avec des petits défauts de flickering qui nous a demandé de mettre à jour le firmware de cet écran, là, pour le G9, on est sur un écran qui est aussi validé par Nvidia, bien sûr, comme le G7, mais qui va, justement, fonctionner parfaitement avec, justement, le G-Sync. Là, on est sur une 3080 et ça fonctionne parfaitement. L'écran est reconnu automatiquement par Nvidia quand on branche l'écran à l'ordinateur et active le G-Sync automatiquement. Donc, il n'y a pas de problème. Au niveau du fonctionnement, quand on descend un tout petit peu en dessous de la plage de fonctionnement du FreeSync, on désactive le G-Sync et donc, du coup, on a le droit à quelques petits lags qui peuvent être visibles quand on est dans les alentours de 30 images par seconde. C'est pas le but recherché de faire tourner cet écran à 30 images par seconde, on va plutôt essayer les 240 qui vont être beaucoup plus efficaces, bien sûr. Donc, pour aller dans l'OSD, bouton qui va se situer à peu près au un quart de la droite du bordure de l'écran, un menu qui s'affiche au premier clic avec des raccourcis comme la source, le PIB, PBP et bien sûr l'OSD, et on va pouvoir aussi éteindre l'écran par ce raccourci là on appuie encore une fois et là on tombe sur l'OSD qui se veut avec un look plutôt futuriste. Donc première page avec justement les options de jeu, avec la fréquence de rafraîchissement, l'égalisateur de zone sombre, le temps de réponse, l'adaptive sync, le retard d'affichage, le point de visée virtuel et la taille de l'écran. Ensuite le menu image avec le mode image et plein de modes d'affichage. Ensuite la luminosité, le contraste, la netteté, la couleur, le niveau des noirs, le mode protection, le réglage de l'écran et le rapport d'étalonnage. Donc à savoir qu'il est étalonné justement avec un delta inférieur à 3. On a un gamma à 2,2. Donc des bons résultats. Par contre, on ne va pas pouvoir le vérifier à la sonde puisque l'écran est trop courbé et cela nous fausse nos résultats. Ensuite, le PIP, PBP, donc avec, pour pouvoir afficher plusieurs ordinateurs sur le même écran avec plein d'options. Donc on va pouvoir l'activer, mais on a aussi le type de mode, la taille de l'écran, la position de l'écran, la source du son, le format d'image et le contraste. Ensuite, l'affichage à l'écran, donc avec la langue et le temps d'affichage de l'OSD. Le système, donc avec l'Infinity Core Lightning, qui va être justement la gestion du RGB, l'atténuation locale, le volume, la luminosité dynamique, la minuterie, le mode PCAB, la version du DisplayPort, la version du port d'entrée, le changement automatique de source, technologie nombre répété, alors ça c'est apparemment le temps de réponse d'un bouton, l'activation des LED, donc la veille d'état de la LED, et enfin le VRR contrôle, c'est-à-dire activer le FreeSync. Enfin, en assistance, on a le diagnostic automatique, la mise à jour du logiciel, les informations et la réinitialisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation du coup de cet écran, le Odyssey G7, donc écran qui est excellent en tout point, c'est-à-dire le G-Sync compatible, le FreeSync, la couleur, tout est excellent sur cet écran. On vous a déjà justement parlé du G7 qui déjà est très excellent. Et bien là, on a justement le droit à deux G7 collés ensemble et il est né justement le G9. On a en plus justement une HDR 1000 qui est en plus sur la version du G9. Du coup, on est vraiment sur un écran vraiment excellent en tout point. Donc, rien à dire dessus. C'est un cocotte d'or mérité. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.